Allez, on est parti YouTube pour la seconde partie de live. De ce live, on va essayer de se défendre contre Shishin au sud qui continue à nous presser avec ses attaques. On est parti pour nous défendre pour une bataille de port. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je regarde juste un truc. Est-ce que mes généraux ont des compétences? Oui, je crois qu'ils en avaient une ou deux. Donc, 21 000 points de vie, elle a combien? 20 000. Lui, il en a combien? 20 000. Et elle, elle ne doit pas en avoir beaucoup. 11 000. Et lui, il en a 11 000 aussi. Allez, let's go. Ah bah écoute, Loubou, la mort n'attend pas. Ne la perdez pas. Ne vous précipitez pas au combat. Réfléchissez bien. Et franchement, là, je pense qu'on a les chances avec les généraux qu'on a au niveau de l'équipement. Ils sont quand même bien équipés, donc je pense qu'il y a un petit moyen de faire quelque chose, quoi. C'est une bataille de port, de ce que j'ai vu. On va se mettre là. C'est elle qu'on doit dégommer. Alors, on va mettre des épéistes ici pour tenir. L'heure est venue. Marchez, arrêt. Voilà, on a des déployables, on va tout de suite les poser. Alors, des barrières, je dis... non, pas des barrières. Ça, je veux bien de l'huile ici. De l'huile là. Des barrières ici. Et s'il y a un contournement de cavalerie, bah on va mettre des barrières là. Et les trois généraux. Il nous reste quoi là? Deux régiments de réserve. Je vais les mettre ici. Ah, ils ont mis leurs arbalétries là-bas. Ça tombe bien. C'est ça que je veux. Oh, ils vont tenter de se regrouper, c'est bien. Allez, viens là. Allez, cacher, donc... Allez, la ténacité de la scie en plus, donc on peut espérer des choses. Je vais tenter d'abattre sa stratège aussi, comme ça. Au moins, on aura deux généraux en moins sur le dos. Allez, si on peut s'en débarrasser de ces deux-là, ça sera un début. Alors j'aime bien, c'est eux qui nous assiègent, mais ils viennent pas, bon. En échouant, vous disparaîtrez dans l'oubli. Votre mort sera le meilleur moment de ma journée. L'heure est venue. Oh punaise, bon là, ça va être une formalité, hein. Allez. Et de une. Donc la la stratège, elle a fait prout. Préparez-vous. Guerrier, écoutez-moi. Pas de quartier. Su à l'ennemi. Au pas doublé. Bon, c'est bien. Ouh. Là, il va faire très mal. Ouh, mon stratège, attention. Ah, il est en mode escarmouche, d'accord. Vous êtes trop pathétique pour survivre. Vos paroles sont aussi vaines que vous. Aux armes. Allez, un petit 3K8 pour se débarrasser de cette cavalerie. En cadence, allez. Dépêchez-vous. Plus vite. Plus vite que ça. Ouh, là, la cavalerie, elle va pas s'en tirer, ça c'est cool. Oui. Allez. Comme ça, là, on pourrait peut-être s'en tirer là.
Allez, 2-2, bam. Bon, les dragons d'Onyx. Ah, c'est des dragons d'Onyx. Ah ouais, je viens de voir. Je viens de me rendre... Ouh. Vous semblez avoir du mal. Besoin d'aide? Oh, taisez-vous. Oh là là, les mini-Seji, attention. On va aller chercher leur dragon d'Onyx avec notre chef. Allez, mets-lui un petit 3K8 pour équilibrer tout ça. Je vais commencer à taper leur dragon d'Onyx, sinon on va pas y arriver. Je me disais bien pourquoi il dit ça, Loubou. Ah bah oui, je m'étonne. Et allez, je vais mettre blocage comme ça. Hop. Tape-moi les dragons d'Onyx, s'il te plaît, en priorité. Voilà, ça va. Notre avant-garde, elle s'en sort plutôt bien. La flamme du phénix, ça, ils ont pas dû aimer, si tu veux mon avis. Ah, ils en ont 4 de régiment. Ouf. Je pourrais remettre un 3K8, mais non, c'est pas la peine. Là, mon avant-garde devra s'en sortir. Ils peuvent nous tirer dessus. Eh bien, ils ont combien de portées, par curiosité? Ah oui, 250. Ah oui, quand même. Ça va, je vous dérange pas, les gars. Bon, s'ils reviennent pas, ceux-là, ce serait génial. Et voilà. Et de deux. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que la plupart de leurs régiments ne vont pas se reformer. On va aller chercher ici ce dragon d'Onyx là. Et là, je vais aller chercher avec mon général et mon stratège les arbalétriers à cheval, qui m'ont l'air bien chiant. Coucou, c'est moi. Ouais, je m'en souvenais plus de ça, Loubou, tu vois. Oh, il y a eu un tremblement de terre ici, MDR. Non, 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 non. Non, ça, c'est abusé. Non, la collision, non, je suis pas d'accord. Allez me chercher ces arbalétriers à cheval qu'on n'en parle plus. Putain, ils en ont encore là. On veut-tu en voir là, des dragons d'Onyx? Voilà. Ah, ils incendient les tours. Bon, si ce n'est que ça. Il en reste un là, il en reste un là. Ça, c'est de la mise d'archer, ça va. Il reste deux dragons Onyx à aller chercher pour le moment. Allez, allons chercher ici. Ouf. Par contre, les unités de cavalerie, elles sont buggées, j'ai l'impression, en ce moment. On va se retirer, on va recharger là. Bon, c'est bien. Les arbalétriers, ils se barrent. Bah, moi, il faudrait que j'aille. Peut-être que je pense à les faire. Tiens, juste deux dragons d'Onyx pour remplacer les archers de Dongzhu Ting, là. L'heure est venue. Bon, c'est bien. Là, c'est réglé. Il y en a. Là, ils sont vulnérables. Je vais faire une charge ici, allez. Allez, ils sont plus qu'une cinquantaine. Bon, on va faire gaffe là. En avant-garde, ça sera elle qui pourrait faire mal au dragon d'Onyx. Hein. Elle prend cher, mais elle fait le boulot. Allez.
fumée de rage. Allez, let's go. Phoenix s'élève. Sors de là, sors de là, sors de là. Ouh, joli le craquage de morale ici. Très beau travail. Oh, d'accord, j'avais pas vu ce contournement. Allons chercher ces derniers archers là. Toi viens là, toi viens là. Infanterie armée de sabre, là ça a l'air d'être plus sérieux. Allez toi, va t'occuper de ça. Bon, je pense que c'est plié. Hein. En vrai, je pourrais faire le salopard. Je vais tirer dans le dos, vas-y. Bah là c'est bon. Toi tu vas continuer. Ah, tu vas me récupérer la tour là s'il te plaît. Bon là le plus dur est fait hein. On va essayer de chasser un peu les dragons d'Onyx en priorité. Et là, je vais prendre, je pense, plus le pognon qu'autre chose. Putain, ils auront fait le boulot, hein. Une bataille plutôt bien menée, je suis plutôt satisfait. En fait, hier, j'ai l'impression que le logiciel, hier, il y en a eu marre, et aujourd'hui aussi, pour le démarrage, mais bon, là, je pense que c'est réglé. Je pourrais pas les rattraper. Alors, eux, ça va être chaud. Quoi qu'ils sont plus que 7. Ici, j'arrive à les faire descendre sous 5. Logiquement, ça devrait être bon. Voilà. 18 gardes armés de Jian, on va essayer de les intercepter. La chance que j'ai eue sur le rebelle Nanman quand même, hein, avec cette arme de d'or là. Ça suffirait que j'ai le cœur du phénix et là lui il va être, ça va être une avant-garde de feu sans mauvais jeu de mots. Ben GG, ça me rappelle les batailles avec Liu Bei au début de ma campagne avec les Farzang. J'avais 3 généraux dans chaque armée, pas de troupes. Bah Cyrus Trevia, il faisait ça aussi, hein, donc je pense pas que c'était une mauvaise méthode en soi. Si lui il le fait, c'est qu'il connaît bien la méthode du jeu pour le faire. Des fois, il faut avoir quelqu'un qui s'inspire. L'ordre est rétabli. Allez, 27% non, mais le pognon oui. Retournez à vos maîtres. Alors. Laissez parler la rage et écrasez-les. Allez, on l'a fait, hein, on est joueur. On est joueur, moi je l'ai fait. Hein. Ah là là. Bon ça va, on a détruit pas mal de leur armée quand même.
Allez, let's go, 100 déployables, on y va. Ah, ils ont une tour, génial. Bon. Alors, c'est... Alors, avant de faire n'importe quoi, je vais engager en duel la stratège. Toi, je vais engager en duel. Voilà. Préparez-vous, courez, courez, plus vite. Vous regretterez de m'avoir tenu tête. Silence. Oh putain. Voilà la stratège, elle va pour faire long feu logiquement. Allez, Zouacho, il a déjà gagné. Le combat est fini. Attention, on va aller. Ouh, le moral qui est déjà en train de flancher. Ouais, bon, je pense que je vais gagner quand même le bout sans ça. Le phénix s'élève. Allez, boum. Allez, une petite charge ici. Toi, s'il te plaît, remonte à cheval, il est où ton canasson? Vous pouvez sûrement faire mieux. Comme ça, la stratège, il pourra pourchasser tranquillement. Allez, faites un effort. Bon, ça s'appelle la bataille du LOL, hein, on va pas se le cacher. Allez. Boum. Je vais faire attention quand même. À l'attaque. Combien en avez-vous tué? Pas assez, je pense. Voilà. Si la guerre se gagnait avec des bons mots. Guerrier, écoutez-moi. Dépêchez-vous, plus vite, pas de quartier. Guerrier. Allez, deuxième couche ici. Au moins ils se reformeront pas. Voilà. Allez, Zou. Comme Zubao, Zou. Pas donc Zou. Hein. Tout va bien. Trinquons à cette victoire bien méritée. Voyez-y de la mansuétude. Encore? Bon, là, on va me leur mettre leur point, on va pas déconner. Alors, toi, t'as repris un point. Qu'est-ce qu'on va te mettre? Ça, c'est bien de l'expert de l'évasion mêlée pour le régiment. Elle va encore gagner de la puissance. Et notre avant-garde ici, on va lui mettre quoi? Assaut final. Bon, à un moment, il faudra mourir, messieurs, dames. Hein. Voilà, merci. Récompenser notre fougue. Libérer les argent facile. En pleine marche. Bon. Bah c'est pas mal tout ça. Ah oui, la poche de ré... Oh, petite futée. Paré au combat. Est-ce qu'en un tour je peux y aller ou pas chercher la ville? Je peux aller la chercher. Ma frappe est précise. L'échec est inconcevable. Repos. Dispersez-vous. Que la fête commence. Cette plaisante colonie sera donc... Voilà. Match au rang 9. Plus d'instinct encore, ça va être une machine à tuer.
Et je pense que juste pour augmenter ses points de vie un peu à Machao, sa puissance en duel, je vais lui mettre Zel, comme ça il va gagner des dégâts perforants pour l'armée. Un seul chemin. Voilà. Ben, merci du follow à la personne. J'ai juste regardé 2 secondes. Bienvenue à Lily Buckle 2019. Bienvenue à toi. Welcome. Bon. Maintenant, on va prendre le. Alors, comment on va qualifier ça pour le TC? On va prendre le salon de thé de chez Shin à Jiaozi. Oh putain, c'est une bataille de. Ils ont pas de ville, les pauvres. Bon, allez. Let's go. Ça m'enchante moyen cette position. Ça m'enchante moyen puisque bah, y a beaucoup d'arbres. Par contre. Je vais mettre toute ma cavalerie ici. Donc sur les flancs, je vais mettre une infanterie lourde avec le protecteur des cieux. Tirer dans le tas et avec la cavalerie on va faire un tour. Ça va, en plus ils sont en bas de pente. On va surgir le moment opportun. J'ai envoyé mes 2 généraux ici ensemble pour essayer d'attirer, divertir un peu l'armée. C'est bien, ça les fait paniquer. On esquive toutes ces choses trappes là. Alors toi tu vas venir là. Ça y est, ça commence à tirer. Il y a un archi isolé, on va aller chercher avec ces deux-là. On va faire gaffe ici aux choses trappes. Oh la vache, ce qu'on leur met. Allez, va me chercher ici. Bon là, les archers, on est en train de s'en sortir tranquillou. Tout va bien. On a 2 cataphractaires en réserve, là c'est pas mal. Oh la vache! On va tenter d'aller chercher les archers au centre. Là, on s'en sort plutôt bien. Donc là, les archers ne reviendront pas. On va frapper dans le dos ce capitaine armé de G. Oh, non, 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 non! C'est de la boucherie, là. Allez, là, peut-être que dans la descente, ça va faire du dégât. Wow. Bon, là globalement ça doit être terminé, le moral est en train de fléchir de partout.
Putain, notre avant-garde là, il est en train de se faire un carnage. C'est beau. Voilà, ça c'est fait. On a des petits emmerdeurs au sud, donc là c'est réglé. Et le thé, ça, je sais que ça rapportait pas mal, il me semble, au niveau commerce. Pour le peu de temps qu'il va nous rester du commerce, tu me diras. La vertu a gagné en ce jour. On va occuper l'impératrice qui consolide sa position dans le Jiaozi. Sima Yi est rang 8. On va lui mettre quoi? Dégâts à distance plus 25% pour le régiment, c'est toujours utile. Alors, orateur, ça donne quoi? Ça donne quoi comme bonus, l'orateur? 4 d'ordre public, ouais. Bon. Alors. Bon, on gagne peut-être plus beaucoup d'argent, mais on s'en sort quand même. Je vais peut-être faire du commerce en plus ici, tu vois. Ben, j'ai du thé là, non? Voilà, ça fera toujours ça de prix. Et là, c'est pareil. Voilà. Par contre, cette deuxième armée, je l'avais pas vue. Là, je peux vous le dire, je ne l'ai pas vue. Bon, je vais renforcer un peu la garnison en cas d'attaque. On va monter à 12 unités. Voilà. Puis il y aura de l'ordre public. Mon héritier. Ah ouais, effectivement, c'est mon frère en plus. Est-ce que je peux pas m'arranger un mariage avec quelqu'un? Je le marierai au prochain tour au pire. Bon bah le sud là, ça commence à... Ils vont se calmer. On va les calmer un petit peu. Hein. Donc il faudra qu'on récupère tout le Yulin pour nous. Le porte-commerce semble être une bonne idée. Comme ça, là on marchera comme ça, on remontera. Chut, voilà. Et ensuite on s'emparera petit à petit du reste des territoires de Chichin. Ah oui, il y a cette île aussi là. Oh, c'est une horreur cette île, je m'en souviens. Nos desseins sont en harmonie. Non, non, non. Tu vas rester... Je suis un peu occupé là, tu vois. Et je vais aussi faire la tech de redéploiement moins 20%, j'en avoir besoin de ça. Oh, il a débarqué, tiens. Gentillesse. On va pas être cruel, hein. La cruauté, ça n'amène rien de bon, croyez-moi. Alors, Machao. Il a quoi comme unité chiante? Ça va, cette armée-là, elle est gérable. Putain, vous imaginez quand je vais redéployer toutes mes armées MDR? Enfin, une bonne partie. Donc là, on va aller prendre le Yuling. Oh, c'est qui ça? Oh, on y a déjà vu. Là, je vais les disperser pour le moment. Parce que là, le port n'est pas menacé à l'heure où on parle. Voilà, ça c'est fait. Et elle, on va l'emmener tout de suite à Jiaozi par là. Voilà. Donc ça au pit en position. Là j'ai une embuscade à combien? Ça je sais pas du tout. Priez, mais ne rompez pas. Alors là on est bien, on a de l'ordre public. Là j'ai deux armées là qui prennent en étau Poyang, c'est plutôt. Et enfin Changsha et Poyang, comme ça s'il y a un souci. On est plutôt bien. Ah, ça aussi, il a récupéré la région, excellent.
Bah, si de ça ou de ça, on arrive à faire en sorte qu'on s'entende toujours bien avec, tant mieux. Hein. Tiens, j'aurai un peu une relation, ça sera... j'espère que c'est pas détérioré. Salutations. Ouais, 75, ça va. Je vais lui offrir un échange de nourriture de 53 en attendant. Et je vais lui réclamer de l'argent. Il doit être riche. Je te demande 3000. Oh bah vas-y. À bout de l'argent. Ouais, j'ai écouté des conseils au bout. Alors 9000 tout court, ça donnerait combien? 8950. Non. Allez, 8500, ça donne combien là? 8550. 8575. 8600. 8625. Eh, franchement, ça vaut le coup là. Ces petits gestes forment de solides bases. Alors, 74. Ah, ils aiment pas quand on exécute des généraux. Bon. Alors, Machao, il est là. Alors, prochaine réforme dans combien de tours? Un tour encore. Il va nous falloir ça. Hein. C'est obligatoire, les forges militaires provinciales, là. Pour avoir du redéploiement encore en moins. On est peut monter à combien de redéploiements, par curiosité? Et on peut pas monter à grand-chose, mais bon, ça se prend quand même. Oh, on peut monter à moins 40%, en fait. Et plus 5% de portée de campagne. Ah, c'est intéressant, 40% de redéploiement. Justement, j'en avoir besoin. Ça va être la priorité, ça. Cette farce doit cesser. Oh merde. Ceci vous plaira. Aïe, 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 aïe. Là, ça me fout dans la merde. Une offre honorable que vous ne pourrez refuser. Un entretien des plus. Ça, c'était pas au programme. Par contre, le jeu il bug ou c'est moi là? Youhou, Four Kingdoms! Quand même. Wow! Bon, c'est bien, ça aussi il va l'occuper au nord, ça m'arrange. Par contre, je vais prendre tellement cher dans mon économie. J'avais deux accords commerciaux avec le Liu Bei et tout, là ça pue un peu. Bon, c'est de la milice, on va la tenter. Ouais, je vais faire ça, mais là, Loubou, honnêtement, il va falloir que je fasse quelque chose. Oh putain, quoi qu'ils ont des champions et tout, ça va être chaud là. Ils ont des lance-flammes. Ah non, pas eux. Ah, putain. Ah, je déteste les lance-flammes, même s'ils sont à courte portée. Voilà. Heureusement que j'ai laissé l'armée de Diaoshan à un moment. Là, ça sent mauvais, on va pas se le cacher. Bon, c'est bien, les tours vont faire un peu de dégâts sur leurs troupes, c'est déjà un début pour les entamer.
Allez. Bon, il y a déjà des unités qui vont se barrer. Les gardes lanciers lourds, visez les gardes lanciers lourds des archers. Allez. Maintenant. Allez, maintenant, venez comme des cons, ça m'arrange. Allez, c'est bien. Venez mourir, allez. Allez, lance-flammes, je les déteste aussi, ça peut t'assurer. Waouh, ils prennent de ces pertes. Si, par contre, je vais redéployer l'unité là. Ouh, ils ont pris cher là déjà, c'est plutôt un bon, une bonne nouvelle. Les guerriers ennemis déguerpissent. Vendez vos arcs. Allez, approchez, approchez. Voilà. Faites griller les légumes. Courez, courez. Voilà, c'est bien, encore une unité qui out. Aïe, aïe, bah oui, il y a deux champions dans le clan, qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Allez, visez là. Alors visez ça là. Putain, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Peut-être en abattre un, ce serait cool. Peut-être faire virer un cavalier. Bon, j'aurais fait au mieux en tout cas. Putain. Ils veulent pas passer, hein. Nos soldats fuient. Oh putain, ils ont des arbitraires à répétition. Non, là je pourrais rien faire. Hein. J'essaie d'en emporter de plus. Ils ont beaucoup de points de vie, les champions, c'est ça qui fait leur force. Bon, on va peut-être essayer de détruire l'arme de siège pour plus tard, au moins on sera tranquille. Préparez-vous, l'heure est venue. Y'en a toi. Archer, préparez-vous. Ne cédez rien. Bon, peut-être que la force destructrice, ça va peut-être à. Ah oui, tu veux parler à qui, imbécile? Non, tu crois. Ouais, là, c'est mort. On va faire accélérer un peu. On va faire plus de dégâts, mais... Ah, ils ont fait mal, hein. Bon, on a embarqué un tiers de leur armée quand même, on a une... c'est déjà un début. Alors elle va où? Parce que je sais pas où elle est, je vais sur où elle va, les Dithrieux. Putain. Ouais, moins 2500 et des patates, ça pue un peu. Hein. Putain,
putain, je suis à moins 2000 quoi, fait chier. Ou alors je commence à dégager de la corruption. Moins 5% partout, ça peut nous aider. Ouais, largement. Moins 5%, regardez, ça nous a bien sorti de là. Ils ont encore combien d'armées là, sérieux? Putain, Lady Trio, quelle chiante. Reprenez vos positions standards. Elle est où elle On va essayer de récupérer. Bon, on a réussi à se donner un petit peu de sursis là, on va. Pour combien de temps, je sais pas. L'armée de lui pour intervenir. Retournez à vos postes. Avançons. Shang-Cha. On va essayer de pas taper là. Avec elle, on va essayer de taper à Poyong là. Et Yujin, tu vas remonter. On a besoin de toi, Honor. Honorez vos idéaux. Au sort ! Putain, elle fait chier. Ils font chier avec leur duo de champions, là. Attends, à moins que... Alors ça, c'est la Syrie. J'ai une idée. Il nous coûte rien après tout. Réservez-vous. Je ne faillirai pas. La prudence bride les élans de l'âme. J'aimerais voir mes conseillers. Qui va là? On va renommer le trio de choc là. Il faut qu'ils voyaient qu'ils tiennent derrière. Ils veulent pas une paix par hasard. Parlez vite. Alors, ils voudraient signer la paix. Chichin voudrait signer la paix, mais non, c'est mort. Tu rêves. Oh, la grosse armée qu'il y a. Ouf. Pour le port, je serais passé. Ouais, j'ai pas vu le bout. Ouais. Des fois, je fais pas gaffe au terrain sur Fukinam, c'est mon défaut. Après, s'il écrase de Tsao Tsao, ça m'arrange. Hein. Comme ça, il voudra pas briguer un nouveau mandat d'empereur. Alors, il faut que je donne une cible de guerre à lui. Bon, ok, ça c'était prévisible et ça c'est ce qui m'arrange. Oh, elle est en 7, Lady Trio, attention. Alors, j'ai combien de points de vie à la 100... Oh, elle a du point de vie. Va. J'ai combien, moi? J'ai 21 000 et elle a... Oh, 32 000, ça va être coton, là. Mais bon, il faut que je le fasse quand même, hein, j'ai pas le choix. Allez. Finiront par les déborder. La seule issue possible est votre éradication. Je ne connais pas ce coin. Je le connais ce coin. Faudrait taper sur le nom. Ça, c'est un qui m'a. Ah, la victoire viendra. En avant. Bon, comment on va faire là? Ça va être coton. Donc là, à un moment, il faudra qu'on bourre l'anticorruption. Hein. Ça nous a bien aidé, là, d'un coup.
On était en dette et là plus rien. Là, il faut qu'on se fasse les deux champions. Est-ce qu'elle est sur son éléphant, Lady Trieux? Ah oui, elle a un éléphant, je m'en souvenais plus de ça. Ah ça a changé, ça a posé beaucoup de problèmes si vous voulez mon avis. Faut vite qu'on tape le champion. Au niveau des déployables, on va continuer. Alors, oulala, là-bas j'ai oublié des trucs. Préparez-vous. Voilà. Aux armes. Oui. C'est con que on peut pas rendre les éléphants fous avec de l'inflammable. Allez, on y va. Donc Lady Trieux, on ne pourra pas la prendre en duel, mais l'autre, oui. Bon, on va aller chercher les mises d'archer déjà. Voilà. Vous n'en avez plus pour longtemps. Vous êtes une créature pathétique. Ouais, allez, allez, allez. Préparez-vous. Yann ne peut m'atteindre. Plus vite que ça. Préparez-vous. Par contre, elle bouge pas, Lady Trieux, hein, on est d'accord. Alors, attention, ici. J'essaie de lui mettre un 3K8 de dégâts. Je me délecterai de votre destruction. De si grandes fanfaronnades, moins si petit talent. Vas-y. L'unique s'élève. Voilà, ça va la calmer un peu. Bon. Allez, allez, c'est bien, on la vénère un peu, on va se reculer. Plus vite que ça. Là, elle va gagner, elle va gagner. Ouais. Bah quoi qu'elle bouge pas, on va en profiter, hein. Voilà, très bien. Au pas doublé. Le phénix s'élève. Bon, elle a gagné, ça c'est cool. Écumée de rage. Il y a peut-être un espoir si elle bug, là on va en profiter. Moi, je vais pas me poser de questions. Toi tu te replies. Sue à l'ennemi. Préparez-vous. On le prend cher. Vraiment. Allez. The fuck. Son éléphant il nous met cher, hein. Je me replie. En cadence. Allez. Dépêchez-vous. Il lui reste 11-4 points de vie quand même. Voilà, les tours nous aident, c'est bien. J'ai cru voir Arbalétrier à cheval, attends. Bon, là, j'ai envoyé la sentinelle, le stratège, et j'ai envoyé derrière l'avant-garde. C'est chaud ce que je fais, mais... Allez. Aux armes. Reculez avant de prendre un mauvais coup. Oh, pas de charge.
Détruisez-les. Wow, 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 allez, elle est vénère, elle est pas contente. En 14, allez, courez, courez. Une, deux, la patrouille des éléphants. Oh, elle a plus qu'un, elle a plus que 100 points de vie, sérieux? Oui, plus vite que ça. L'heure est venue. Vas-y, harcèle-la, toi. Oh, joli. Oh, putain. Alors là, elle a pas fait long feu. Oh, elle a pas fait long feu, j'en suis ravi. Maintenant, on peut se ramener en renfort, on va venir aider. Alors, je sais pas ce qu'elle a eu avec son éléphant, mais Lady Trieux, elle a mal fini. Hein. Une grande histoire d'amour, malheureusement, sur vos écrans. Bon, ok, c'est pas mal. J'ai envoyé chercher le... Hop, le strat... Là, ici avec le stratège. Si pour gagner un peu de vie, c'est surtout pour ça que je le fais. Ah bah oui, c'est un très bon titre de film, ça, mon cher Loubou, je suis d'accord. Attends, toi. Mettez-y le feu, là. Il y a du garde-loup qui arrive. Et si on crame du garde-loup, moi, je dis oui. Vas-y. Allez, Zou Chao qui gagne, bisous. Putain, ils ont encore tout ça de garde lourd. Oh. Remuez-vous. Au garde à vous. Au garde à vous. Décochez vos flèches. En avant. Bon, là, je vais tenter de pousser un peu. Au pas doublé. Il faut aller chercher leur tireur, ils font trop mal là. À l'attaque. Au pas de charge. Au combat. Oh allez, mais non, allez, non, 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 dégage, dégage. Remuez-vous. Voilà. Le phénix s'élève. Voilà, allez hop, oust. Courez. On sait bien, le moral là il est en train de chuter. Au pas doublé. Dépêchez-vous. C'est bien, ils reviendront pas. Maintenant faut se charger des archers là. Aux armes. Préparez-vous. Préparez-vous. Bon, avec la stratégie, je vais tenter un truc dans le dos, mais ça va être coton, quoi. On sait bien, là, ça gagne. Maintenant, il faudrait que j'arrive à éliminer leurs arbalétriers à cheval. Ça va être le plus chiant. Voilà, bon, il y en a eu un qui est tombé, c'est toujours ça de prix. Tant une charge dans le dos là. Comme ça, là, je vais pouvoir décaler mes régiments. Je tente une charge dans le dos ici. Pourvu qu'elle meure pas, pourvu qu'elle meure pas. Oh, là, il y a un gros craquage, là. Allez, on pousse. C'est bien. Maintenant, vous allez décaler, là. Les autres vont poursuivre, et nous, on va flanquer. Préparez-vous.
ils vont pas se reformer, ça c'est bien. Abattez là. Allez. Voilà. Le moral va craquer un coup là. Il peut enflammer lui là s'il sort. Et là il pourrait faire un gros, une grosse grillade. Allez, go. Coucou. Bah vos arcs. Préparez-vous. Au combat. Qu'est-ce qu'il reste encore? Oh la vache, là ils vont prendre cher. Par contre, vous revenez, 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 laissez-les crever. Bon, on s'en sort plutôt pas mal, on va dire. Ça, c'est de l'armée quand même, hein. Voilà. Belle réponse aux attaques que te font ces soi-disant... Ces soi-disant anciens alliés. Tout à fait, Lobo. On s'en tire bien. Je vais quand même aller chercher les troupes avec lui. Bon, lui, il nous en a tué 220. Par contre, j'ai eu peur contre Lady Trieux. Je savais qu'elle était forte, mais pas à ce point-là, quoi. Je crois que si je la capture, je la tue. Hein. J'aurais pas de pitié. Bon, on résiste. Hein. Que la fête commence. Voilà. Oh, la capture, vas-y. Oh non, je l'exécute, elle est trop dangereuse avec son éléphant. Vas-y. Voyez-y de la mansuétude. Je ferai acte de clémence cette fois. Et je récupère un éléphant. Attention. Non, désolé, Simaï, c'est pas le moment de l'indépendance. Il y a déjà d'autres problèmes. Le ciel a récompensé notre fougue. Ouais, génial. On récupère pas mal d'argent ici. Il faudra pourchasser cette armée. Hein. Non, non, on l'a exécuté, le bout. Hein. Alors, est-ce qu'on peut aller chercher cette ville? Laissez parler la rage. La justice prévaut. Oh, on a perdu deux cataphractaires dans le tas. Ainsi, nous répondons voilà. À notre parole. Alors, 6... J'ai vu un autre level up, où ça? Tiens, lui c'est une légende. Hein. Bon, Shang-Cha s'est tombé. Ne cédez jamais. Récupérer Poyang. Alors attendez, j'ai juste affamé deux secondes. À l'attaque. Il y a l'armée de l'autre derrière là. Attention à lui. En quoi on va convertir? Voilà, on récupère un peu de sous en plus. Donc avec l'armée de Macho, on va traquer un peu cette l'armée qu'on a là. On va faire une infrastructure militaire ici tout de suite.
Voilà. Je résisterai. Préparez-vous. Avec ça ou pis. Bon. Reprenez vos positions standard. Au prochain tour, on va aller chercher Jaozi. Parce que là, en vrai, on pourrait faire mal. Hein. Le problème, c'est que ben, ils veulent pas faire la paix. Bon, le royaume de Yann, pour le moment, ça va être compliqué. Même si on a bien fortifié le col. Tiens. Je m'y fais penser, Loubou, tout à l'heure, les cibles. Salutations. Coordination de guerre, choisir une cible. Est-ce que tu peux t'emparer de... du col de Hangu? Voilà. Mon vassal, il est où? Tu as une coordination... Nous en sommes très honorés. Il y a le Woudou, je veux lui... Si pas aller le chercher, ça serait cool. Comme ça, il récupérerait de la soie, on se mettrait bien. Et Diao Shan, on va tenter de reprendre Shanyong et bas, quoi. Ouh, il y a du people. Et ouf, ouais, ok. Bon. Ouais, l'armée de Lady Trio, ouais. On va le faire tout de suite. Je pense qu'à E3, ils peuvent le faire. Quoi qu'à E2, ils peuvent le faire, hein. Ce sera la dernière bataille pour ce soir, les gars. Donc là, on a que deux généraux à gérer, ça va. Alors. Donc avec lui, avec elle, on va taper la... la stratège. Et là, je vais mettre un petit 3K6 pour commencer. Voilà. On va semer un peu la pagaille. On va s'occuper de ces arbalétriers. J'ai pas confiance. Écoutez-moi. Chargez! Votre mort réjouira la Chine. Vous osez me parler? Pas de quartier! Bon, la stratège va finir. Hop, ça c'est fait. Oh, relevez-vous, espèce de pleutre! Tuez-les! Regarde à vous! Ouais, lui il est en, en mode folie furieuse, attention. Allez, remuez-vous. Oui, au combat. Un quartier. C'est de capturer la tour. Préparez-vous. Montrez l'heure du cran, camarade. Très drôle. On se concentre sur le combat, peut-être. Allez. Allez. À l'attaque. Ils reviendront pas. Donc lui, hop, on va lui donner un petit bonus. On a récupéré la tour. Préparez-vous. Trois archers, trois lanciers, trois cavaliers, deux là. En vrai, c'est bien d'avoir des petites armées comme ça avec deux, trois, quelques généraux qui se baladent. Je comprends votre besoin de repos. J'espère que votre épée est plus vive que votre esprit. Ouais. Mia ne peut m'atteindre. Oh,
Voilà, c'est plié. Normalement, lui, il va vite y passer. Voilà, ouf. Ouais, il fait son job. Bah, il a raison, hein, c'est son boulot. Hein. C'est un tueur de masse, le général d'avant-garde. Et le stratège, il regarde. Avec son éventail. Oh, il fait trop chaud pendant ce duel. Je sais pas comment vous faites, les mecs. L'ordre est rétabli. Je ferai acte de clémence cette fois. Putain, il est pas encore décédé, sérieux. Allez, on va descendre comme ça. Normalement, faut mourir, quoi. Dispersez-vous! Que la fête commence! Retournez! Voilà, on a récupéré du pognon, on va se replier là. Que les rires remplissent ces lieux! Bon. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bah, on va se laisser là. Donc, pour. Alors, on est mercredi. Enfin, on est jeudi là. Jeudi minuit passé. On va se laisser là pour cette session. Donc on se retrouvera donc vendredi. Demain je vous retrouve pour Evil Genius. Donc bon, ça va, on s'en sort pas trop mal. Bon, on a un petit problème avec le royaume de Yann à l'heure actuelle. En espérant que Cao Cao et les autres, bah, ils s'en sortent. Et que nous on arrive à les repousser après, qu'on arrive vite à prendre le Boai pour être tranquille, quoi. Donc là, la prochaine fois, on fera cette bataille ici à Poyang pour récupérer la ville, en espérant qu'on n'ait pas trop de pertes. C'est juste ça qui m'inquiète, mais je pense que si on fait bien, on joue bien le coup, il y a moyen, quoi. On a déjà enfoncé un peu Changsha ici. Il faudrait peut-être penser à récupérer le reste de la province de Yuzhang aussi, comme ça, on va priver Liu Bei d'une belle base d'opération. Et on pourra peut-être même le détruire avec un peu de chance, puisque Cao Cao a bien poussé apparemment. Donc ça nous met plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'elle peut m'atteindre? Non, elle peut pas m'atteindre pour l'instant. Donc voilà, on va se laisser là pour ça. Je vous remercie à toutes d'être passés, les raiders de Xebus, Loubou, Momon.